لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يملغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماءه العادون ولا يهدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتهارهم تطهيرا على عدائهم وقاتلهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre invité qui est ici parmi nous. Notre communauté musulmane chiite est ravie de vous avoir parmi nous car derrière votre visite se cache un seul objectif, la fraternité et le symbole qui nous unit est la paix car avant toute chose nous sommes tous des êtres humains. Car la valeur de l'être humain est au-dessus de toute chose et notre Seigneur éclaire la nuit. Sourate al-Isra qui signifie le voyage nocturne. Dans le chapitre 17, verset 70, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْزِيلًا » Certes, nous avons honoré les fils de Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous les avons attribués de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. On voit à travers ce ayat du Saint-Coran à quel point Allah subhanahu wa ta'ala ou notre Seigneur donne de l'importance à l'être humain. Donc, il est de notre devoir. On n'a pas le droit aujourd'hui de bafouer son droit qui est une valeur inestimable. L'être humain a des droits sur cette terre. Et le Seigneur n'autorise pas de bafouer ses droits. Donc, évitez toute violence à son endroit. Et les descendants du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui sont des infaillibles nous ont toujours appris à préconiser la paix. Et c'est de là, en cherchant, j'ai trouvé un hadith de notre premier imam, du premier successeur du saint prophète, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Qui
Quand on va voir la traduction de ce hadith de l'imam Ali, on va comprendre l'importance de la paix et le fait que, à quel point l'être humain a de la valeur. Il dit, instaurer la paix entre les humains est meilleur que toutes les prières et les jeûnes d'une vie entière. Instaurer la paix entre les humains est meilleur que toutes les prières et les jeûnes d'une vie entière. Comme vous le savez, dans notre religion, l'islam, la prière et le jeûne ont une grande importance. La prière, on le fait 5 fois par jour, et le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a dédié un mois en entier pour qu'on jeûne la nuit. L'imam dit que instaurer la paix entre les humains est plus important que la prière et les jeûnes d'une vie en entière. On en déduit de là que la paix est meilleure que l'adoration du Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui-même dit dans le Saint-Coran que l'être humain a une valeur inestimable à ses yeux. L'homme n'a pas besoin d'une religion pour faire la paix avec les autres. Les différences ne donnent pas raison à l'injustice. Ce n'est pas que l'autre a une autre couleur de peau que la mienne que je dois être injuste avec lui. Ce n'est pas qu'une autre personne est d'une autre origine ou d'une autre race que la mienne que je dois être injuste envers lui. Ce n'est pas que je suis un homme et en face de moi j'ai une femme que je dois être injuste envers elle. Ce n'est pas que moi je suis riche et que l'autre est pauvre que je dois être injuste envers lui. Ce n'est pas que moi j'ai une religion et la personne en face de moi a une autre religion que je dois être injuste envers lui. Non, Hussein, en allant à Karbala, nous a donné un seul message. L'être humain a de la valeur et respecter son droit est un devoir pour chaque personne. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que son éminence, le pape François, va rencontrer son éminence, le guide spirituel, notre guide spirituel, Sayyid Ali al-Sistani. C'est juste pour un seul objectif, c'est pour un seul message, pour un seul symbole, ça sera la paix entre les religions, la paix entre les êtres humains. Car aujourd'hui, ce qui se passe en Irak, le droit des êtres humains a été bafoué. Je vais vous donner un petit chiffre que moi-même j'ai vu. Il est écrit qu'en 2004, la communauté chrétienne en Irak était de plus de 1,5 million. Aujourd'hui, après le recensement, on trouve moins de 400 000 chrétiens. La raison, c'est que certaines personnes se sont introduites sur ce territoire, sur ce magnifique territoire, et ont commis de l'injustice. Et c'est pour cela que notre éminence, c'est pour cela que notre guide spirituel n'est pas d'accord avec cela. Et comme le révérend l'a dit tout à l'heure, c'est que Sayyid Ali Sistani a décrété beaucoup de fatwas qui a favorisé les chrétiens et qui nous donne un seul message, qu'aujourd'hui, pour faire la paix, il n'y a pas besoin de religion et qu'entre humains, la première chose qui doit être en vue et qui doit être primordiale est la paix entre nous tous. Prions Allah subhanahu wa ta'ala en cette nuit que cette maladie qui est en train de se répandre dans cette terre, qu'Allah la répudie le plus rapidement possible. Et ceux qui sont dans cette maladie, que Allah les guérisse le plus rapidement possible. Tous nos malades dans le monde entier qui sont malades, beaucoup de maladies circulent sur cette terre. Que Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse de toutes les maladies. Que Allah pardonne à tous nos maghoumines. Que Allah nous pardonne tous nos péchés et que Allah accepte toutes nos prières et accepte toutes nos invocations. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.